Un perroquet. Perroquet, perroquet, perroquet. Bonjour, monsieur perroquet, je suis Jupiter. Moi, c'est Luna. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Qu'il est mignon. Je croyais que seuls les perroquets des pirates pouvaient parler. Je pense que tous peuvent parler, si quelqu'un le leur apprend. Mais je me demande s'ils parlent comme nous. Tu crois qu'ils comprennent ce qu'ils disent? Ce qu'ils disent? Ce qu'ils disent? Je ne sais pas, mais je voudrais le savoir. Est-ce que les perroquets comprennent ce qu'ils disent? Il faut que je le découvre. Moi aussi. La science t'intéresse? Voyons voir ça. Rencontre Luna, Jupiter et Clyde et découvre les réponses à de nombreuses questions. Vous voyez ce que je vois? C'est de la magie. En utilisant le pouvoir de ton imagination. La science est partout. La Terre appelle Luna, tous les jours à 17h55 sur LudiKids. Première partie de notre expérience, les sifflets. Choisis un sifflet, Jupiter. Je vais utiliser celui-là. Fantastique! Il a fait exactement la même chose. Un autre maintenant, Jupiter. Il a fait le même, Luna. Incroyable! Les perroquets savent siffler exactement comme des sifflets. Maintenant, passons à la prochaine étape de notre expérience. Deuxième étape, mais avant celle-ci, voici un rapide questionnaire scientifique. Génial! Demande-lui s'il était un perroquet de pirate. C'est parti. Monsieur perroquet, quand avez-vous appris à parler? Perroquet, perroquet. Je pense qu'il a cru que tu lui demandais son nom. Prochaine question. Monsieur perroquet, quel est le premier mot que vous avez prononcé? Il ne veut pas répondre. C'est vraiment ça? Quel est votre mot préféré? Figaro, 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 Figaro. Luna, il sait chanter. Fantastique, mais il ne veut pas parler. S'il ne veut pas parler, on ne peut pas continuer notre expérience. Je sais. Mon livre de pirate doit indiquer comment parler au perroquet. Regarde la deuxième page. Tu vois le capitaine et le perroquet? Oui, je les vois. Jupiter, Clyde, préparons-nous parce qu'on va aller sur un bateau de pirates pour voir si les perroquets parlent vraiment. On va être des pirates. Et Clyde sera notre animal de compagnie. On est des singes. On ne l'est pas tous, Clyde. Toi, tu es un singe. Moi, je suis un pirate très méchant. Il faut trouver quelqu'un qui nous dise si les perroquets parlent ou non. Regarde, le perroquet du capitaine. Matelot, à bâbord. Vers la gauche, Jupiter, vers la gauche. Déployez les voiles, repliez les voiles. Allez, vite, on ferait mieux de lui courir après. Courez, si vous voulez, j'y vais en me balançant. C'est le capitaine. Le capitaine pirate de mon livre. Je n'y crois pas. C'est amusant d'être un singe, mais c'est aussi fatigant. Je pourrais être un requin la prochaine fois. D'accord, et je serai une baleine. Monsieur le capitaine, bonjour. Eh bien ça alors, qu'avons-nous donc par ici? Jupiter le matelot, à vos ordres, capitaine. Et moi je suis Luna le matelot. Et voici notre petit singe, Clyde. Bonjour, capitaine. Que faites-vous ici sur mon bateau? Comment avez-vous atterri ici? C'est une longue histoire. Ça a commencé avec le perroquet des voisins pendant qu'on faisait des exercices de diction. On est venu pour voir si les perroquets pouvaient vraiment parler. Oui, terre en vue, terre en vue. Tu vois, ils parlent. Les perroquets de pirates savent parler. Non, Jupiter le matelot. Corsaire le perroquet ne parle pas. Ne parle pas. Il ne parle pas? Non, non. Les perroquets ne font que répéter ce qu'ils entendent.
Répétez, répétez, répétez. Donc ils ne parlent pas. Ils ne font que répéter ce qu'on dit. Pas seulement ce qu'on dit. Ils répètent tout, même les sons. Tout ce qu'ils entendent. C'est vraiment extraordinaire. J'aurais bien aimé avoir un chapeau de pirate comme le sien. Moi aussi. Ho, 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 ho. Vous croyez que les perroquets parlent, c'est pas vrai. Écoutez cette chanson, oui, écoutez. Les perroquets semblent bien savoir parler, alors qu'en fait, ils ne font qu'imiter. Vous voulez voir ça de plus près? Voyez l'aboiement d'un chien. Wouf, wouf, wouf. Wouf, wouf, wouf. Ou les miaulements d'un chat. Miaou. Miaou. Ou alors un sifflement. Une personne qui parle. Papa boit dans les pains. Papa boit dans les pains. Maintenant vous savez qu'ils ne peuvent pas parler. Hé, hé, hé. Car les perroquets savent très bien imiter chaque son qu'ils entendaient, ils savent aussi le recopier. Chaque son! C'est la meilleure des expériences au monde. Corsaire ne parle pas, mais il sait toper comme un chef. Moi aussi je sais. Top là. Moi aussi je veux aboyer. Waf waf waf. Je crois que Capitaine est un super prénom pour lui, Jupiter. Comment y as-tu pensé? C'est une longue histoire, hein, Luna? Oui, mais on va te la raconter. Alors viens, Clyde, il faut qu'on aille répéter notre spectacle. Oui, un spectacle de Luna. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci d'être venus à notre spectacle. Je suis Luna, le capitaine, et à côté de moi, c'est Jupiter, le perroquet. Et à côté de Jupiter, je vous présente notre singe Clyde. Je suis le perroquet corsaire, le super perroquet pirate du capitaine. Et je vais vous demander à tous de nous aider à chanter, d'accord? Oh, 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 oh. Vous croyez que... Écoutez cette chanson, oui, écoutez. Les perroquets semblent bien savoir parler, alors qu'en fait, ils ne font que nous imiter. Vous voulez voir ça de plus près? Voyez l'aboiement d'un chien. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf. Ou les miaulements d'un chat. Miaou. Miaou. Ou alors un sifflement. Une personne qui parle. Papa boit dans les pains. Papa boit dans les pains. Maintenant, vous savez qu'ils ne peuvent pas parler. Hé, hé, hé. Car les perroquets savent très bien imiter chaque son qu'ils entendent et ils savent aussi le recopier. Chaque son. C'est fini. Je veux jouer avec Capitaine maintenant. Oui. Bravo. Fantastique. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas. Il n'a jamais fait ça avant. C'était un superbe spectacle, capitaine. Regarde, papa. On dirait bien que quelqu'un est fatigué et veut faire la sieste. Je vais le ramener chez lui. Où est le capitaine? Luna, as-tu déjà vu quelqu'un dormir avec les yeux à moitié ouverts? Non, jamais. Et toi? Dormir les yeux ouverts? Imaginez ça! Je me demande si on peut vraiment dormir les yeux ouverts. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dormir les yeux ouverts? Des pirates? Des requins? Des baleines? Ou bien est-ce qu'ils ferment tous les yeux pour dormir? Ah, oh, j'ai tant de questions!